Bonjour et bienvenue dans le magazine Campus Sport. Je m'appelle Patricia Kummer et je suis championne olympique et championne des Universiades de snowboard. Dans la première partie, nous partirons à la découverte de Patricia Kummer. Nous reviendrons également sur les Universiades d'hiver 2015. Dans la deuxième partie, nous entendrons Thomas Barr, le président du CIO, et on reviendra sur les Universiades d'été à Guangzhou. Au programme également, une rencontre avec Michael Greiss, l'Allemand triple champion olympique de biathlon. Nous parlerons pour finir des championnats du monde universitaire qui auront lieu en 2016. On démarre donc avec Patricia Kummer, la star du snowboard en Suisse. La Valaisanne n'est pas seulement une immense athlète, c'est également une brillante étudiante à l'Institut de psychologie de Berne. La championne olympique et des Universiades en titre est un modèle pour tous les jeunes qui font des sports-études. Allier les études et le sport de haut niveau est plus qu'une nécessité pour Patricia Kummer. J'ai tout simplement réalisé que faire du sport ne me suffisait pas. J'avais besoin d'une autre activité pour nourrir mon esprit. Depuis que j'étudie, ma vie a changé. C'est tout autre chose comparé au sport. C'est très excitant. Vous pouvez découvrir tellement de choses dans ce monde, mais aussi autour de la psychologie de l'être humain. De comprendre comment il fonctionne, biologiquement et neurologiquement parlant. C'est tellement passionnant. Je suis aussi quelqu'un qui travaille dur et je ne me pose jamais la question de savoir si on m'en demande trop ou pas. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais à fond et j'abandonne jamais. La Suissesse a démarré des études de psychologie en février 2009 et elle a été diplômée simplement 6 mois avant les Jeux Olympiques de Sochi. La professeure Claudia Roberts est très élogieuse à l'égard de Patricia Kummer qui suit un master de psychologie de développement à Berne. Tout ce que je peux dire, c'est que Mademoiselle Kummer prépare toujours très bien ses cours et participe activement à toutes les discussions. Patricia Kummer assiste au séminaire sur la connaissance, le savoir et la mémoire et elle doit passer un examen quelques semaines avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Ce que j'attends de Mademoiselle Kummer, c'est qu'elle présente ses travaux aux autres étudiants à partir d'une base scientifique. Et ensuite, à partir de ses études, nous pourrons faire des comparaisons entre différents groupes d'enfants qui présentent différents troubles psychologiques afin de créer une espèce d'image, de carte cognitive. C'est une analyse empirique qui exige une grande rigueur intellectuelle. Il faut vraiment tout donner pour y arriver. La Suissesse a analysé devant d'autres étudiants qui ignorent qu'elle est championne olympique le trouble de la coordination chez les enfants. Malgré un emploi du temps surchargé, elle est satisfaite de son travail. Je me suis préparée du mieux que je pouvais. Et ce qui est bien, c'est que, excepté mon professeur et moi-même, personne n'avait lu le travail initial sur le sujet. Je crois que ça s'est bien passé. Oui, c'était chouette. Et je pense que c'est bien passé. Patricia Kummer n'a aucun traitement de faveur. Elle est une étudiante, parmi tant d'autres. Je n'aime pas aller voir les profs et leur dire « Salut, je suis championne olympique, j'ai besoin de ça et de ça ». Je ne suis pas comme ça, ce n'est pas mon style. Mais en revanche, je m'autorise à prendre un petit peu plus de temps pour mes études. Un peu plus de temps que certains autres étudiants. La star suisse du snowboard a choisi de se spécialiser en neuropsychologie et en psychologie du développement et voir, analyser quelle est la relation entre les fonctions motrices et cognitives du cerveau. Un domaine qui la passionne énormément. J'ai vraiment vu beaucoup de sujets qui pourraient m'intéresser pour la recherche. Mais pour le moment, je ne peux pas dire où je me trouverai dans 3 ou 4 ans. Si par exemple je continuerai le snowboard, je ne peux pas planifier jusque-là. La Suissesse doit être efficace dans la gestion de son emploi du temps assez chargé. Elle ne peut pas se permettre pendant ses études de négliger sa carrière de sportive de haut niveau.
Elle doit mettre à profit tout le temps libre qu'elle a pour préparer la saison de Coupe du Monde de snowboard. Une discipline qui la passionne et qu'elle a découvert alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Je n'avais jamais imaginé que je pourrais devenir championne olympique, championne du monde ou remporter des médailles. Je voulais simplement faire du snowboard. J'adore la vitesse. Je suis une droguée de la vitesse. C'est ma passion. C'est pour ça que ça marche si bien. Elle a remporté en carrière 10 victoires en Coupe du Monde. Elle a été médaillée d'argent et de bronze en championnat du monde. Elle a également décroché le globe de cristal de slalom géant parallèle en 2013 et 2014. Et elle voulait aussi être sur la plus haute marche du podium il y a 2 ans aux Universiades d'hiver, organisées dans le Trentin, en Italie. C'était une course très difficile, beaucoup de brouillard. Même si j'ai redoublé d'efforts pour faire la course parfaite, c'était presque impossible. Patricia a échoué au pied du podium, terminant à la 4e place, mais ce résultat décevant pour elle a finalement été un mal pour un bien. Ça l'a beaucoup aidée dans son approche des Jeux Olympiques dans le Trentin. Elle a appris à être capable de gérer toutes les situations pour finalement devenir championne olympique à Sochi. Je n'arrivais pas à le croire lorsque j'ai passé la ligne d'arrivée. J'étais vidée. Je ne savais pas quoi penser. Mais quand le drapeau s'est dressé, normalement, je ne suis pas émotive. Mais là, j'ai failli pleurer. Und ich bin auch nicht nah am Wasser gebaut, aber es hat sogar mir die Tränen in die Augen gedrückt. La championne olympique est donc arrivée à Grenade début 2015 avec beaucoup d'ambition pour disputer ses 3e Universiades d'hiver. Je savais que c'était ma dernière chance pour remporter le titre, que ce serait certainement la dernière fois que je participe à cette compétition. J'avais vraiment envie de gagner. Dans l'épreuve de slalom géant parallèle, Patricia Kummer était tout simplement trop forte. Elle a fait étalage de sa technique, de sa puissance, de son explosivité jusqu'en finale pour s'imposer face à l'Allemande, Selina Jorg. En Sierra Nevada, elle a donc décroché pour la première fois le titre aux Universiades d'hiver et a donc atteint son objectif. Si vous croyez vraiment en quelque chose que vous aimez, que vous vous faites plaisir, alors vous pouvez réussir. La Suissesse est aussi engagée dans des actions sociales et dans la protection de l'environnement. Patricia Kummer, ou une jeune femme à la personnalité impressionnante avec une planche de snowboard au pied, mais aussi sans. Les épreuves de ski nordique lors de ces Universiades d'hiver 2015 se déroulaient à Strebské Plezo en Slovaquie. Le site slovaque a accueilli lors de ces 27e Universiades d'hiver toutes les épreuves de ski de fond, de combiné nordique et de saut à ski. Et pour la première fois dans l'histoire de la FISU, une compétition par équipe de saut à ski féminin a été organisée. Compétition remportée par la Russie emmenée par Irina Avakumova, déjà vainqueur de l'épreuve individuelle. Je pouvais remporter cette compétition grâce à la grande qualité de mon entraînement. Mais mon expérience a aussi joué. Ce n'est pas la première fois que je participe à de grandes compétitions. La délégation russe a largement dominé ses Universiades d'hiver, notamment lors des épreuves de ski de fond. Avec un total de 56 médailles, 20 en or, 18 en argent et 18 en bronze, la Russie a montré qu'elle était très présente et très investie dans le sport universitaire. Le niveau était très élevé, comme l'explique Oleg Matitsin, le président de la Fédération universitaire russe. Nous pensons vraiment que ces universiades sont une chance énorme pour nos jeunes athlètes de découvrir le haut niveau, de montrer leur potentiel avec à terme l'objectif d'intégrer l'équipe nationale et ainsi de représenter la Russie au plus haut niveau lors des Jeux olympiques et des championnats du monde. Sur les 9 épreuves de ski de fond disputées, 7 ont été remportées par des athlètes russes, prouvant une fois de plus l'hégémonie de la Fédération de Russie dans cette discipline. Mention spéciale à Andrei Larkov avec 3 médailles d'or sur le sprint, le 30 km mass start et le relais. Le champion en titre de combiné nordique, le Polonais Adam Cieslar, a remporté 2 médailles d'or en Slovaquie. L'étudiant en éducation physique à l'université de Varsovie, qui doutait pas mal avant ses universiades, a quitté la Slovaquie avec le plein de confiance. Un vrai plus pour la suite de sa carrière. Je suis vraiment très heureux d'être pour la 2e fois champion du monde universitaire. Je suis vraiment très satisfait d'avoir été capable de gagner de nouveau.
Aux Herbliers, en Slovaquie, accueillait les épreuves de biathlon. De grosses performances de la star locale Polina Fialkova étaient attendues, elle qui avait participé aux Jeux Olympiques de Sochi. Polina Fialkova n'a pas déçu ses fans, elle a remporté le sprint, pris également le bronze sur le 15 km et l'argent lors de la poursuite. Polina Fialkova, étudiante à l'université Matej Bell de Banska Bystrica, a largement contribué au succès de ses universiades et à la popularité du biathlon en Slovaquie. La seconde partie de ces universiades d'hiver s'est déroulée en Espagne. 1180 athlètes de 41 pays se sont affrontés pendant 11 jours à Grenade pour les épreuves sur glace et en Sierra Nevada pour les épreuves de ski. Le Super Géome sur une piste très difficile a été remporté par l'Italien Michelangelo Tentori avec seulement un centième d'avance sur Marc Oliveras d'Andorre et sur le Suisse Sandro Bonner. 6 jours plus tard, Tentori décrochera une autre médaille d'or en géant devant son compatriote Rocco Del Sante et le Français Jonas Fabre. La Norvégienne Christina Fossa Husberg a décroché 2 titres en Sierra Nevada en remportant le Super G et le géant. Elle était plus que satisfaite. J'ai fait pas mal de bonnes courses de retour à la maison en Norvège juste avant. Et je suis assez confiante. J'espère que je vais faire de bons résultats et montrer mon potentiel. Je serais vraiment contente si ça pouvait le faire. La première médaille d'or en patinage artistique de ces Jeux est revenue à l'Allemand Peter Liebers, 8e aux Jeux Olympiques de Sochi. Et revenu d'une grave blessure à l'épaule, Liebers a accompli son rêve, devenir champion universitaire. La finale de hockey sur glace a opposé chez les dames la Russie au Canada. C'est finalement la Russie qui s'est imposée 3-0, le Japon prenant la 3e place après avoir battu la Chine 4-1. Chez les hommes, la finale opposait la Russie de nouveau et le Kazakhstan. Les victoires des Russes 3-1, 6e titre consécutif pour la Russie, invaincue dans cette discipline depuis 1993. 20e et dernière médaille d'or pour la Russie lors de ses universiades d'hiver 2015. La Russie qui s'impose au classement des médailles devant la Corée du Sud et le Kazakhstan. Ces universiades 2015, organisées pour la première fois dans 2 pays différents, ont réuni 2400 athlètes de 540 universités différentes et laissé une trace indélébile dans la mémoire des gens. La prochaine édition aura lieu en 2017 à Almaty, au Kazakhstan. Dans un instant, Thomas Barr, le président du CIO, sera dans Campus. On reviendra également sur les universiades d'été qui ont lieu à Gwangju, en Corée du Sud. Enfin, dans la dernière partie, le triple champion olympique de biathlon, l'Allemand Michael Greiss, nous parlera de sa vie d'étudiant. Nous parlerons également des championnats du monde universitaire qui auront lieu l'année prochaine. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Lausanne. Le premier jour de l'Assemblée générale de la FISU, le président du comité olympique, Thomas Barr, est venu accueillir et saluer les participants. Il a rappelé que lui aussi avait participé aux universiades de Moscou en 1973 et au Mexique en 1979, avant de prendre la responsabilité du mouvement international olympique. It was an important step. Cela a été vraiment une étape importante de ma construction personnelle. On apprend tellement de choses au contact des autres, en vivant dans un village, au milieu d'autres nations. Aux Jeux Olympiques, j'ai eu la chance et le privilège de vivre cela une fois. Je suis donc ravi d'avoir pu vivre ça 2 autres fois aux Universiades. Cela a vraiment été très important pour moi. À l'âge de 5 ans, Barr était déjà un escrimeur prometteur quand ses parents l'ont forcé à pratiquer ce sport alors qu'il souhaitait faire du football. À 22 ans, il faisait partie de l'équipe d'Allemagne de fleuret qui remporta l'or olympique à Montréal en 76. Mais les Universiades ont réellement été un tremplin pour lui. Cela a été une expérience merveilleuse. J'ai eu la chance d'aller à Moscou en 1973, en pleine guerre froide.
À une époque, en plus, où il était vraiment très difficile de voyager et d'aller en Union soviétique. À cette époque, pouvoir vivre avec tous ces athlètes à l'université Lomonosov, pouvoir découvrir Moscou, découvrir de nouvelles choses au contact de toutes ces personnes, cela a été vraiment un moment à part qui m'a vraiment beaucoup appris. Élu 9e président du Comité international olympique en septembre 2013 en Argentine, il représente parfaitement cette double carrière d'avoir été à la fois étudiant et champion. Il pratiquait donc à la fois l'escrime, tout en étudiant le droit et la politique à l'université de Würzburg. Cela n'a pas été si difficile que cela, en fait. Vous savez, en droit, vous n'êtes pas forcément à l'université tous les jours. Donc on y arrive. Ce serait vraiment plus difficile pour des étudiants en médecine ou des étudiants d'autres cursus. Au début de ma vie universitaire, j'ai vraiment fait beaucoup de sport. Puis sur la fin, je me suis beaucoup plus concentré sur les études. Je suis vraiment conscient d'avoir la chance d'avoir pu concilier les deux. L'Allemand a été élu membre du CIO à l'âge de 37 ans. Depuis, il a toujours eu une grosse influence et joué un rôle majeur dans cette organisation. Il représente maintenant la figure la plus importante dans le monde du sport. Mais comment un simple étudiant devient un tel leader ? Ce n'est pas devenir un leader, je pense, qui est important pour tous ceux qui font du sport-études. Ce qui est important, c'est d'arriver à être authentique, de trouver la voie où vous allez être le plus heureux, où vous allez vous épanouir le plus et être soi-même. Tous les athlètes connaissent la recette du succès. Travailler dur, encore et encore, travailler tous les jours, et respecter les autres, savoir où vous voulez aller et mettre ensuite tout en œuvre pour y arriver, de manière à ce que vos rêves deviennent réalité. Thomas Barr est convaincu que les valeurs de l'excellence, de l'amitié et du respect sont plus qu'importantes de nos jours et dans notre société actuelle. Le sport fait partie intégrante de l'éducation, d'où ce lien entre l'IOC et la FISU. Les 28e Universiades d'été ont débuté le 3 juillet dernier. 10 711 participants en compétition dans 21 sports. La double championne olympique, actuelle numéro 1 mondiale, Kibo Bae, a non seulement établi un nouveau record du monde en tir à l'arc, mais également remporté ses 3e Universiades sur sa terre natale. La République de Corée a récolté le plus de médailles, comptabilisant au total 108 médailles, en tête devant la Russie et la Chine. La Kazakh Victoria Ziabinka a parcouru le 100 mètres en 11 secondes 23, puis a ajouté à son palmarès le titre du 200 mètres à Gwangju, ce qui fait d'elle la première femme depuis 1987 à remporter les deux épreuves aux Universiades. Mais ce n'est pas tout, elle a aussi remporté la médaille d'or dans l'épreuve du 4x100 par équipe. Et un troisième titre consécutif pour Paweł Fajdek, qui nous vient de Pologne. Avec un lancer de 80,05 mètres lors de son troisième essai, Fajdek a réussi à battre le duo biélorusse Pavel Barysha et Sergei Kalamoïchte. Une belle victoire pour le Polonais. La nageuse qui a le mieux réussi ses Universiades, c'est l'Américaine Shannon Vreeland. 4 médailles d'or et une de bronze. Elle a été imbattable sur le 100 et 200 mètres nage libre et largement contribué au succès de son équipe en 4x100 et 4x200. L'équipe des États-Unis a fait un podium dans 41 courses, dont 14 médailles d'or. Le gymnaste allemand Fabian Humbüchen a terminé sa carrière d'athlète étudiant en gymnastique couronné d'une médaille d'or à la barre horizontale. Deux fois vice-champion des Universiades à Kazan, il en voulait plus à Gwangju. C'était mes dernières Universiades. Je suis un petit peu triste car ces compétitions, cette ambiance, tout cela va me manquer. Je suis juste heureux de cette médaille. C'était vraiment une belle journée.
l'escrime, dès la première épreuve, les Français ont accumulé les médailles d'or. La France a remporté 8 titres sur 12. Que ce soit au sabre, à l'épée, au fleuret, par équipe, en individuel, chez les dames ou chez les hommes, la France était toujours sur le podium. En football, c'est l'Italie qui a été sacrée championne en battant la Corée du Sud chez eux, 3-0. Le Japon s'est emparé du bronze en battant le Brésil au pénalty, 7-6, tandis que la France a remporté ses Universiades chez les femmes. L'argent pour les Russes et le Brésil vient compléter le podium. En basket, et après une incroyable finale, ce sont finalement les États-Unis qui l'emportent face aux Allemands. Ça s'est joué dans les prolongations, 84-77. L'équipe de basket d'une université au Kansas, les Jayhawks, ont pu prendre leur revanche d'une mauvaise 9e place aux Universiades de 2013. En basket féminin, c'est aussi les États-Unis qui l'ont emporté face au Canada. Les prochaines Universiades d'été auront lieu à Taipei en 2017. À suivre dans Campus Sport, Michel Grace, le triple champion olympique de biathlon, nous parle de sa vie d'étudiant. Paolo Ferreira nous donnera un petit aperçu des prochaines Universiades de 2016. Démarrons cette troisième partie de Campus Sport Magazine avec le meilleur biathlète allemand, son nom Michel Grace. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Il n'est pas seulement la star de ce sport, mais également un étudiant comme les autres. Le triple médaillé olympique de Turin a souhaité changer de vie et décida de reprendre ses études. J'ai essayé de poursuivre mes études au début de ma carrière, mais j'ai rapidement réalisé que ça allait être très difficile de concilier les deux. J'ai alors décidé de me focaliser sur le sport. Et il a réussi. C'est avec beaucoup de détermination et de passion qu'il a obtenu ses 3 titres olympiques. 6 ans après, en décembre 2012, Grace se retire de la compétition après une contre-performance. Michael n'a plus la force et la motivation de continuer. Lorsque j'ai réalisé à l'été 2012 que ma carrière de sportif de haut niveau était plus près de la fin que du début, j'ai décidé de reprendre mes études. Je me suis lancé dans le management international à l'université d'Ansbach. Je suis aujourd'hui à la fin de mon cursus et je pense vraiment que c'était la bonne décision à prendre. Créée en 1996, l'Université des sciences appliquées de Ansbach est une jeune et moderne université située au centre de la Franconie. Michael Grace est un des 30 premiers sportifs de haut niveau à avoir suivi une formation en ligne. J'adore la mécanique, l'ingénierie ou le génie électrique, mais le management international peut être utilisé d'une meilleure manière dans le sport. Et le sport, c'est ma passion. Vous ne pouvez pas vous lancer de toute façon dans des études d'ingénierie, de mécanique à l'âge de 40 ans, c'est trop tard. Alors que des études de management peuvent être utiles partout, c'est quelque chose qui peut me servir à tout moment. Il faut se rappeler ce que j'ai appris et je veux savoir vraiment où mes études me mèneront. Grace, qui a remporté dans sa carrière 3 championnats du monde, le gros globe de cristal en 2007 et 21 victoires en Coupe du Monde, peut mettre à profit cette expérience pour ses études. Je pense vraiment que j'ai beaucoup appris du sport. Cela m'a rendu endurant et travailleur, ce qui est très utile aujourd'hui pour suivre mes cours par correspondance, choisir mes modules, m'organiser et ensuite passer les examens. La question est de se fixer des objectifs et de savoir ensuite comment les atteindre. Mes notes sont vraiment bonnes. Je me concentre vraiment aujourd'hui sur mes études. Et Michel Grace, peut-il seulement se définir en tant que tel ?
C'est une bonne question. Disons que je suis un gros bosseur, très impliqué. À 39 ans, Michel Grace n'a jamais participé à une universiade d'hiver. Il n'était pas étudiant lorsqu'il était au sommet de sa carrière et ensuite trop vieux pour y participer. Pour lui, c'est un grand regret. Je pense que c'est vraiment une grande compétition. Elle te permet de vivre de belles expériences et de grandir, d'apprendre. Car c'est la première fois pour la plupart de ces athlètes qu'ils participent à un grand événement. Ils peuvent aussi, à côté de l'aspect sportif, se confronter à d'autres cultures, rencontrer des gens de tous horizons. Par tous ces aspects, les universiades ne sont pas seulement une grande expérience sportive, mais également une grande expérience humaine. Michel Grace prouve que même après une longue et brillante carrière sportive, un athlète peut entrevoir un avenir qui ne soit pas forcément lié au sport. Il suffit de le préparer grâce aux études. Les championnats du monde universitaires font partie des événements qu'organise la Fédération internationale des sports universitaires en alternance avec les universiades d'été et d'hiver. Elles sont organisées chaque année paire. On démarrera avec trois nouveaux sports, l'escalade, le sambo et le ski d'orientation. Nous savons que ces sports existent dans des universités partout dans le monde et nous avons la responsabilité de promouvoir ces disciplines. Parfois elles sont très bien développées, parfois non. On a voulu permettre aux athlètes de ces disciplines de pouvoir s'exprimer eux aussi, des athlètes universitaires bien sûr. Depuis sa création en 1963, le championnat du monde universitaire a pris de plus en plus d'ampleur. Il y a deux ans, 28 compétitions ont été organisées dans le monde entier. Son directeur, Paolo Ferreira, nous parle de cette nouvelle édition 2016. Ces fédérations internationales, qui sont pour la plupart des fédérations olympiques, voient le potentiel du sport universitaire. Il y a 700 millions d'étudiants à travers le monde, 40 000 universités. Bien sûr, ces fédérations voient le bénéfice qu'elles peuvent en retirer et ce qu'il peut également en ressortir. Il n'y a pas que les athlètes olympiques qui participent à ces championnats du monde universitaire. C'est également l'opportunité pour les meilleurs athlètes étudiants de progresser dans l'élite du sport mondial. Et pour les organisateurs, ces compétitions sont également une sorte d'héritage, un élément clé de la Fédération internationale des sports universitaires. Nous voulons vraiment que chaque événement soit le meilleur possible. Pour 2016, je suis extrêmement confiant et sûr que nous aurons des championnats du monde universitaire exceptionnels. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le prochain championnat du monde universitaire de patinage de vitesse aura lieu du 3 au 6 mars prochain à Baselka d'Épinay en Italie. Eurosport sera présent pour couvrir cette compétition, la première d'une longue série d'événements à venir. Alors n'hésitez pas à nous suivre. Star aujourd'hui, leader demain. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders.